En février 1967, Jojo et Juju, Joju, mes parents, sont en vacances pour 2 semaines au Mexique. Les surnoms de mes parents étaient Jojo pour Joseph et Juju pour Juliette. Ils étaient très proches et parents et amis les appelaient Joju en se référant à eux deux. Le monument Hémicycle a été érigé à la mémoire de Benito Juárez et inauguré en 1910. Juárez était zapothèque et il fut le premier président autochtone du Mexique de 1858 à 1872. Il fut également le premier chef d'État autochtone des Amériques postcoloniales. Le Palais des Beaux-Arts a été construit entre 1904 et 1934 pour le centenaire de l'indépendance du Mexique en 1910. C'était le premier musée d'art au Mexique lors de son inauguration en 1934. La cathédrale métropolitaine est l'une des plus anciennes et des plus grandes cathédrales des Amériques. Elle a été construite sur 3 siècles, de 1673 à 1813. Escaliers à l'intérieur du Palais National sont recouverts de peintures murales de Diego Rivera, représentant, selon ses propres termes, toute l'histoire du Mexique de la conquête à la Révolution mexicaine jusqu'à l'horrible présent. Je soupçonne qu'il y a des œuvres d'art, des peintures murales, etc. dans ce balcon, mais la lumière vive sur les piliers en pierre ne permettait pas d'enregistrer ce qui se trouvait dans l'ombre. En faisant un usage intensif de recherche sur Google, j'ai pu identifier certains points de repère illustrés dans le film, mais pas tous.
Thank you.
trajet en taxi vers des ruines aztèques à environ 30-40 km de Mexico City. À noter que les touristes ne sont pas encore arrivés pour explorer les anciennes civilisations du Mexique. C'était en 1967. Les photos de Google datent de 2022. Il y a très peu de temples aztèques circulaires. Ma meilleure hypothèse est qu'ils ont visité le temple de Quetzalcoatl dans la région de Calitzlahuaca. La construction de la basilique Notre-Dame de Guadeloupe a commencé en 1695 et elle a été inaugurée en 1709. Georges semble avoir trouvé quelques personnes ayant des intérêts similaires avec qui ils voyageront sur divers sites. Thank you.
un autre voyage en taxi vers un grand site archéologique aztèque, environ 30 km de la ville. Très certainement, les pyramides de Teotihuacan, avec les temples du soleil et de la lune. La séquence qui suit est tirée d'un film qui a été exposé deux fois, donc les deux images. Il est difficile de reconnaître ce qui est quoi ou l'ordre dans lequel les photos ont été prises. Une exposition a été prise dans le parc de Chapultepec, tandis qu'une autre semble être des bâtiments de l'Université du Mexique, se terminant par le stade olympique. Les chaloupes sont probablement sur le lac artificiel du parc de Chapultepec, tout comme d'autres photos de personnes dans le parc. Le monument aux jeunes héros dans le parc de Chapultepec. Thank you.
Le stade olympique, pas tout à fait terminé en février 1967, pour les Jeux olympiques de 1968. Thank you.